Bonsoir, Aluno Amuri pour un épisode de Arnaud le Poulpe, Aluno le Poulpe, Aluno Chan, Taco Chan, No Aluno. Bref, donc pronostic. Mais vous pouvez, franchement, vous pouvez me suivre. Hein. Je valide à 99%. Je me trompe très rarement. Alors, on va commencer. Merci à Cédric. Merci beaucoup. Mon éminence grise, hein, mais grise en matière de football. Et merci beaucoup. Il m'a fait le tirage. Alors, Arsenal-Bayern. Donc, Arsenal. Je vais dire droit au but. Arsenal-Bayern. Arsenal. Real-Manchester City. Manchester City. Donc, Arsenal-Manchester City. On verra après. Et en face, il y aura Atlético-Borussia. Atlético. Paris-Barcelone. PSG. Ensuite, Europa League. Milan contre la Roma. Milan. Liverpool-Atalanta. Liverpool. Bayer-Leverkusen. West Ham. Bayer. Benfica-OM. OM. Ça serait beau, hein? Et donc en demi-finale, on tomberait sur Liverpool. Ouais. Bon, je joue pas la plus vite la conférence League parce que j'ai pas suivi. Je peux pas faire le mec qui s'y connaît parce que j'y connais rien. Commentaire plus affiné. Le tirage au sort a été fait par un supporter du PSG. C'est abusé, quoi. Parce que le Real. Tu vois, le Real Manchester City, c'est deux favoris qui vont s'annuler. Et eux, de leur côté, en fait, il y a tous les favoris, c'est-à-dire les Anglais, le Bayern. Bon, quand même, toujours favoris, le Bayern ou le Real Madrid, ils sont toujours favoris. C'est chaud, quoi. Et du côté de Paris, bon, bah, c'est l'autoroute vers la finale. Voilà. Et de l'autre côté, pour l'OM, c'est pas mal parce qu'au moins on se serait pris 4-0, 4-0 contre Liverpool. On se prendra en demi-finale. Si on arrive à éliminer Benfica, qui est un club de légende, c'est super de jouer. Franchement, jouer Benfica, c'est vachement bien. C'est plutôt les favoris, mais ça reste. Voilà, ça reste. Allez, sur ce. Ouais, c'est bon. Merci, abonnez-vous, likez, partagez, mettez des commentaires et allez l'OM.